Welcome to the Jean-Baptiste Show! No, come on! Ouf, putain. J'en ai gardé un peu pour toi. Tu veux Brent? Va chercher. What the fuck? Qu'est-ce qu'il m'a injecté? Le DUP? Ouvrez le feu! Oh merde. Shane! Montre-toi! Tu crois que la drogue m'empêchera de retrouver Brent? Ok, ok, ça craint là, ça craint grave. Ouf, putain, c'est violent là. Bon, je sais pas ce qu'il m'a injecté, mais... Ouf, putain, en plus, ça tourne super tu lentement, vas le viseur. Avec le DUP? Pas très malin, Shane. Ouf, ouah, je trouve ça craint grave là. Oh là là. Ok, le viseur est super lent. Je vous explique pas la galère. Je peux le passer, le contrôler. Oh là là, ça craint grave. Je vais me faire ouvrir là, je vais me faire ouvrir, je vois rien du tout. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Shane! Tu comptes rester caché? T'as plus rien dans le slip? Ok. C'est un méchant ça? Ah, il meurt! Putain, je vois plus rien du tout là. Attendez, attendez! Shane! Tu vas rester planqué combien de temps encore? Voilà, je vois même pas combien j'ai de vie. Oh, ce truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Putain, je suis en train de partir un trip complet là. Oh my god. C'est la maison de mes parents. Oh what the fuck? Ok. Oula. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens. Maman? Papa? On ne pourra pas cacher ça éternellement, Abigail. Tu as blessé cette fille. Ta colère te fait perdre le contrôle. Ton père a raison. C'est pour ton bien. Appelez le DUP. Me balancer parce que je posais problème. Maman, pose ce téléphone. Tu peux pas lui faire ça. C'est ta fille. Oh, comme c'est trop classe. C'est une gamine. Le DUP va tout arranger. Elle nous l'a promis. Et voilà. Oh mon dieu. Où est-elle? Faites tout! Il faut qu'on se tire d'ici! Oh my god! Oh, c'est énorme. Ok. Oula! Tu es faible. Oh the fuck! Dégage! Ouf. Je sais pas! Je vous prends tous! Je ne t'abandonnerai pas! Dégage! Tu peux pas piquer ce que tu veux! C'est pas ce que tu prends! Dis-moi, on t'a planqué ma cave! Dégage! Non! Oh merde! J'étais perdue, je voyais des choses! C'est Shane, il m'a forcé! C'est rien. C'est pas ta faute. Non! Oh merde! Non! Je t'en prie! J'y arriverai pas toute seule! Faites! Je suis désolée! Non, prête! Oh non. Oh putain. C'est là que mes hommes vous ont trouvé. C'est Shane qui a pris votre frère. C'est lui qui vous a poussé hors de vos limites. Si vous le pouviez, vous le tueriez? Faites-le. Fetch. What the fuck? Oh
rends-moi service, trésor, dis à cette bonne femme que je suis un vrai patriote. Normal, à 100%. Je connaissais votre histoire. Parle de scouts. Mais je devais vous la faire revivre, pour vous ramener à l'instant où vous avez basculé. Bordel, je suis pas un de ces monstres! Oh mon dieu. Ouf. Oh. Oh my god. Genre il est pas mort. Dégage, enfoiré. Il est à moi. Oh my god. Un coup de m'en péter un plan. Ok. Je peux courir? Non, je peux pas courir. Pour suivre Shane, à cette vitesse, on peut aller vite. Hein. Putain, c'est énorme. Putain, c'est immense, Gordon Key. Ok. Il est en train de se barrer. Ça a l'air solidement vissé. Hein? On va se faire un peu de... de Uncharted, les amis. Ça craint. Vas-y, fetch! Mais il tue pas. C'est pas bien, c'est le mal. Écoute pas Augustine, c'est le mal. Ouf, ouf, oh non! Ok. Tranquillement. C'est bon, je peux descendre là ou... Allez. Ah, ok. C'est bon, tu fais des sauts de 2 mètres, tu peux courir avec la lumière là. Ok. Attends, c'est classe tout enneigé. Putain, j'ai pris plus cher en tirant que l'autre qui était en face de moi. Quoi. N'importe quoi. Ok. C'est fermé. C'est par là? Ouais, c'est par là. Ok. Je peux télécharger la diode là. Ça me fera un peu d'énergie. Ok. Pff, là on va pris vraiment cher. Hein. Poursuite du VBTT-13, mais aucun signe de Walker. Bien sûr. Envoi de drone pour aider les recherches. Attention où vous voulez. On a du mal à les garder en l'air dans la tempête. Bien sûr. Envoi de drone. Pas tiré là. Merde, putain, j'ai pas tiré. Oh, oh my god! What the fuck? Salut! Oh, il a un fragment lui, non? Tire-toi. Hey Bobby, attends, attends, attends! T'as un truc qui m'intéresse sur toi là. Viens ici.
doit être cassé. La chance. Allez là. Oula, il y a masse d'ennemis en face là. Je pense pas qu'il est cassé. Je pense que c'est un bon gros piège là, sur mon avis. Et on va en plein dedans. Ouh. Ça par contre, ça m'intéresse. Énorme. Ok, cool. Ouh, il y a du monde là. Hein. Ah, énorme. Ouh, il a l'air violent celui-là. Oh my god. Ah ouais, elle embarque un peu plus de trucs quand même avec le temps. Hein. Ok, cool. Allons éclater quelques noobs. Salut. Ouf, t'as trop mal ça. Caché. Genre il a peu le truc à côté quoi. Ok cool. Viens ici avec ton visuel, je vais t'éclater. Boum. Cool. Il y en a encore un. Bobby. Je suis pas content Bobby. Viens ici. Double Bobby. Boum. Ok. On se casse. C'est énorme. Contrôle Delta et HS, je répète. Delta et HS, aucun signe de Walker. Tu m'étonnes que vous êtes HS. Contrôle, nous poursuivons la cible sur la 104e. Oh oui, il est là. Montez le barrage et coincez-le. Utilisez la force seulement si nécessaire. Bien reçu. Mais c'est quoi? Pourquoi il le garde là? C'est vraiment juste pour moi? Il aurait pas de pouvoir lui aussi? Bon, ça m'étonnerait, mais. Putain, mais sauf, elle est cinglée, Augustine. Et je le bute. Salut! Walker vu au sud du carrefour de la 104ème. Contenez là, les renforts arrivent à votre position. Salut! Booyah! Personne ne peut me contenir! Vous comprenez? Personne! Ne pas me contenir! Donne-moi de l'énergie. Ouh, y'a du monde là! Ouh, j'avais peur qu'il y avait autant de people là. Je crois que je vais faire que passer, hein, parce que vous êtes un tout petit peu nombreux. Salut! D'accord, donc lui il s'en fout, en fait il regarde en l'air. Il était en pause café là actuellement. Voilà ce carnage que j'ai fait là. Viens ici, ça va! Boum! Il est où ton pote? Cool! Il y a du monde dans cette forêt là. Il est où Johnny? Enfin, je vois rien quand je vise là-dedans. Tiens, ta meilleure position! Boum! T'as mis tellement d'ennemis, what the fuck quoi. Cool. Salut. Ok. Il va falloir un peu d'énergie dans pas trop longtemps là. Bon, il saoule. Allez, allez faire le muse là-dedans. Ouf. Oh, je peux voler et tout, c'est énorme. Ouh, il y a un hélicoptère là, je l'ai vu. Vous l'avez vu les amis, l'hélicoptère là? Ok, moi j'ai vu personnellement l'hélicoptère. Hein. Salut. Changement de cap pour pister le VBTT-13. VBTT-13, arrêtez-vous immédiatement. Facebook. Pas la radio. Pourquoi vous pensez que Fetch est sur le sentier de guerre? Hein? Et oh. Me poursuit. Arrêtez le véhicule ou nous ouvrons le feu. Je regarde pour que vous me lisiez les droits et on crève. Alors je vais continuer à rouler et vous pouvez continuer à me suivre. Mais je dois prendre mes distances avec cette garde. Okay. Il se fait dessus, Shane. Il se fait dessus. C'est un gros ça, non? Ouais, ça c'est des gros, d'accord. Enfin, des moyennement gros, quoi. C'est tellement abusé les missiles, c'est un truc de fou. Donnez-moi ça. Merci. Ok.
Kiev semble s'être enfui dans l'une de ses grottes. Hélico, demi-tour et coincez-la, terminé. Lol. L'hélico coincé-la. Dans la grotte. Sur place. Arme parée. Il est dans la grotte là, sérieusement? Oh, what the fuck. Sérieux, les gars, quoi. Ah, ils ont laissé un petit trou. Je pense qu'ils vont essayer de m'éclater. Mon dieu, mon dieu. Lol. Lol, mec. Lol. C'est bon, arrête de faire péter des ponts là, c'est relou à la fin. You. C'est parti. Ok, à nous deux, mec. Tu vas prendre mes missiles dans ta tronche. Ouf, je te fais éclater. D'accord. J'ai envoyé 3 jauges de missiles. Je suis allé un petit peu fort. 3 jauges, 3 salves, pardon. Ok, à nous deux, Shane. Je pense qu'on a le choix de le tuer ou pas. C'est quoi lui? Oh, pas mal, pas mal. Ah, dommage. Raté. Il fait quoi là? Oh, énorme. Salut! Oh, ils sont classe ceux quand même. Hein. Je vais travailler pour le DUP un peu, c'est quand même. Ils ont quand même la classe. Oh mon dieu, le monde qu'il y a là. Ouh! Je sais pas si vous jetez un coup de la carte, les amis, vous allez péter un pont. Hein. Il y a un monde assez conséquent. Au vu de la situation. Allez là! Oh, c'est ouf le pipeau qu'il y a. Tout ça pour moi. En même temps, j'ai réussi à faire un trou dans votre prison. Je comprends que vous soyez un peu vénère. Lui, c'est quoi lui là? Allez là! On va voir là-bas si j'y suis. Ouais, mon pote Bobby là. Bobby! J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros méchants là. Mais genre beaucoup, beaucoup. Oh oh, salut. Si vous pouvez tous aller sur l'hélicoptère, ce serait cool. Cool. Cool, 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 c'est exactement ce dont je parlais. Ça par contre, c'est moins cool. C'est bon, fais pas genre. Cool. Oh, je les éclate bien quand même. Hein. Je vais prendre par le haut. Hein. On voulait pas. J'ai cru voir un drone là. Oh oh. Ça, c'est des gros pavots, ça. Le genre de pavot que j'aime pas beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est le temps, ça, ouais. C'est le, ce genre de pavot là. J'aime pas trop. J'en ai eu un. Je l'ai eu. Mais allez vous faire voir! Ouyaka! Oh, ce Kamehameha quoi. Oh oui, j'ai embarqué un gros dedans. Ça c'est bien. Ouh! Easy. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas dans le vortex. Ah, par contre, j'aimerais bien recharger. On va partir un peu plus loin. Voilà. Oh, cette classe quoi. Shane. Echo, un visuel sur Walker. Négatif. On suivra sa piste une fois que l'orage sera passé. Shane nous. Oh. Oh my god. Ah, comme par hasard, je peux plus courir là. Come on, you piece of shit! Allez, trésor! Qu'est-ce que t'en dis, hein? Et si on foutait le camp? T'approches pas de moi! Dégage! J'ai pas peur d'une camée! Ouf! Ah!
c'est tout, sale garce. L'air de punir. Je peux pas, je peux rien faire d'autre. J'aurais vraiment dû te tuer direct. C'est horrible. Bren, t'es mort. Je l'ai pas tué. C'est toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, elle l'a rebuté. T'as vu ça, Brent? Je vais tout arranger. Putain, mais elle est tellement puissante, c'est abusé. Ça finit comme ça? Et prête pour quoi? Genre c'était calculé. Oh, oh c'est énorme. Ah mais oui c'est Hank qui avait le truc pour les faire sortir. Ah oui. On revient au début de Infamous. D'accord. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé les amis, mais c'était pas mal. Non, franchement, c'était plutôt vraiment bien. C'était bon, c'était certes un peu court, c'est vrai que c'est un peu la déception. Mais bon, on a eu quand même droit à pas mal de trucs, c'était assez sympa. Bon, après, pour un DLC à 15€, contrairement au jeu qui coûtait 70, c'est vrai que bon, si on compare le prix et la durée, bon, c'est à peu près honnête par rapport à la durée du jeu et à son prix de base. Mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même un peu court. Mais enfin, c'était vraiment bien quoi, la réalisation était vraiment pas mal. Enfin, ils arrivent à faire ressortir quelque chose de ce DLC. Enfin, de ce standalone, pardon. Enfin, c'est vraiment bien, je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Il y a pas mal d'émotions, la mise en scène était vraiment bien, les missions étaient sympas. Quelques missions annexes étaient. Bon, elles étaient bien pensées, ça changeait un peu. Les missions n'étaient pas exactement les mêmes que dans le solo. Donc, c'était assez agréable. Et l'histoire était vraiment cool par contre, ouais. Ça je pense que c'est le gros point fort de ce DLC, l'histoire était vraiment bien. Donc voilà, donc je sais pas, il y en a dans les commentaires qui pensent qu'ils pourront en refaire sur Hank et Eugène, mais je sais pas s'ils le feront. Je sais que pour les anciens Infamous, ils avaient fait une histoire annexe comme ça, mais je sais pas s'ils en feront autant. On verra. En tout cas c'est pas mal. Après, je sais pas si je le conseillerais pour 15€, je conseillerais peut-être, enfin si vous avez des amis qui ne le connaissent pas du coup, parce que si vous êtes arrivé jusque là, vous avez vu le jeu. Et si vous voulez le faire, vous, ou le conseiller à des amis, peut-être attendez une promo, parce que c'est vrai que 15€, ça fait un peu cher pour cette durée de jeu. Surtout que voilà, j'ai fait quand même quasiment toutes les missions annexes. Je crois qu'il devait me manquer une mission caméra. Après, il y a les arènes aussi qui devraient allonger la durée de vie du jeu, mais bon, ça reste assez court. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment été assez surpris par l'histoire et par les sentiments qui en sont ressortis, c'était vraiment sympa. C'est une bonne surprise, un peu trop courte, mais vraiment une bonne surprise quand même. Avec le passage du trip et tout, c'était vraiment bien. Ça valait le coup. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous aussi les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous donne, comme toujours, rendez-vous au prochain jour.
pouvoirs déchaînés sont désormais disponibles à l'achat. Vous avez déverrouillé les missions de survie alpha et prise d'otage bêta. Ok. Et du coup, c'est quoi les missions déchaînées? Ça comporte des éclairs supplémentaires par seconde. Ok, donc ça tire plus vite. Bon, ça c'est pas nouveau, ça c'est quoi ça? Coup fatal en mêlée crée une énorme explosion qui inflige de lourds dégâts à votre cible ainsi qu'aux ennemis à proximité. Oh, c'est cool! Ouh, c'est quoi tout ça là? L'élimination d'un point faible ralliera l'ennemi à votre cause pendant une courte période. Oh, énorme! Les ennemis asservis pourront se battre plus longtemps. Oh putain, mais c'est ouf! Putain, du coup, ils ont pas donné ça dans le solo, c'est dommage de le donner que maintenant. Les ennemis sous l'influence de la stase subissent deux fois plus de dégâts. Vaincre un ennemi en stase provoquera une explosion. Putain, c'est trop ouf. 100% d'ennemis supplémentaires par sable. Les explosions de missiles infligent des dégâts supplémentaires et projettent les ennemis en l'air. Ok, c'est bien classe. Et là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est la supernova. C'est quand elle envoie tout le monde dans les airs et qu'elle vole. Putain, elle est trop puissante, fait, je m'empêche. C'est abusé, hein. Ouais, les amis, bon, c'était un petit bonus. Je pense pas que je prendrai le temps de débloquer tout ça. Je vous laisse le soin de le faire si vous achetez le jeu. S'il y a vraiment beaucoup de demandes, au pire, je vous montrerai un petit peu, mais on voit globalement ce que ça donne. C'est dommage qu'il ait pas mis dans le solo, parce que ça aurait été plus sympa que là, vous montrer en arène. Je trouve pas ça très très intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, les amis, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, comme j'ai dit tout à l'heure. Et comme je l'ai dit précédemment, je vous donne rendez-vous au prochain jeu.